y a est nous. Mais c'est un copain, c'est le petit toutou. C'est le toutou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche et ça va être une journée hyper sympa parce que je vous emmène avec moi où je réalise mon sapin, où je vais décorer, faire mon appartement, enfin tout ça, tout ça, tout ça. J'ai récupéré Miss Ruby aujourd'hui pour quelques jours. Là il est 10h du matin, j'ai encore la tête dans le cul. Ma belle-mère m'a déposé ma chienne il y a 10 minutes là. Donc voilà, donc je suis content, j'ai mes bébés avec moi aujourd'hui. Le programme ça va être qu'il faut que j'aille chercher mon Dyson parce qu'il n'était pas disponible en boutique. Donc là il est disponible maintenant, ils l'ont fait livrer hier. Et du coup Cyril va venir avec moi le chercher aujourd'hui. Donc je pense qu'on va y aller vers midi, midi et demi parce que lui fait son sapin cet après-midi également. Et j'ai acheté le calendrier de l'Avent. Alors déjà d'une, celui de l'année dernière était pourri. Clairement il était pourri, il était à chier, c'était scandaleux. Cette année, le packaging, voilà, l'emballage m'a fait dire, bon, il est mignon, il est plus beau que l'année dernière, pourquoi pas. Je me suis acheté également un t-shirt chez Bershka. J'ai eu un petit coup de cœur sur ce t-shirt. Et je me suis acheté, alors attendez, parce que le temps de vous la montrer, ça va durer trois plombes. Je me suis acheté une veste en jean et je l'ai prise en oversized, comme ceci. Elle est trop belle, franchement, elle est très chaude. Je suis très bien dedans et ça pour cet hiver ça va juste être parfait. Vu que j'ai pas vlogué toute la semaine, j'ai acheté ça chez Auchan. J'ai acheté ça 4€ et encore l'étiquette donc pour vous dire. Et je trouvais que ça complétait bien mon style de petite figurine entre guillemets que je voulais acheter. Mon appartement est en bordel les gars. Mais regardez-moi ce taudis. Ça s'appelle un taudis tout simplement. Il faut que je range tout, tout, tout. Si tout le monde se fait des câlins, tout le monde se fait des papouilles, c'est la fête du slip. Voilà, réunion tupperware, bonjour. J'ai également acheté une petite bouillotte chez Sephora de la collection de Noël. Je suis repris un contour des yeux, donc ça moi je les aime toujours. Et je tombais sur une amie à moi, hop, vendeuse chez Sephora forcément. Comme d'hab, elle me blinde les échantillons de chez Fresh. Et ça c'est la vie, franchement les échantillons, franchement la marque Fresh, moi j'adore. Je vous montre aussi également ce que j'ai acheté chez Ritual cette semaine. Je me suis pris deux gels douche. Forcément, j'arrive jamais à prendre les deux choses en même temps. Je me suis pris mon gel douche que j'adore, c'est le Sakura. Je pense que vous le connaissez. Et j'ai pris la nouvelle gamme, ça sent trop trop bon. Ils font la bougie, ils font les bâtonnets d'ambiance, ils font les huiles, ils font les gommages. Ça sent trop bon si vous avez l'occasion de tester celui-ci. Moi j'adore. Et je me suis pris une bougie, donc forcément c'est vrai que je n'ai pas assez de bougies, bien entendu. Et je me suis pris la Precious Amber et elle sent trop bon. Bon, moi après j'adore les odeurs d'ambre, hein. Donc après c'est chacun ses goûts, mais elle sent divinement bon. Et j'ai eu moins 20% sur la totalité, donc ça valait le coup. Voilà, elle est en train de me déchiqueter plutôt. Elle pense que c'est son doudou. Ruby, tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? Ça, c'est à qui? Ça, c'était pour mettre sur le lit de papa. D'accord. Ok. Pas de problème. Je sors de la douche, je suis tout beau, tout propre, tout soyeux. 5 jours, je crois, un peu moins d'une semaine que je teste les shampoings que j'avais reçus. Je sais pas si vous vous rappelez de la marque Clarins. Bah écoutez, je suis très satisfait. Surtout, gros coup de cœur sur l'après-shampoing. Parce que alors moi, les après-shampoings, c'est une obligation. J'en mets quasiment une petite noisette tous les jours, mais très léger. Bon là, j'ai pas de couleur. Bon là, j'ai les cheveux gris forcément. Mais mes cheveux sont beaucoup... Mes cheveux sont doux et plus faciles à coiffer parce que j'ai un gros problème d'épi. Hein. Je sais que tout le monde s'en fout. Hein. Puis alors, j'ai lavé par terre, bonjour, mon sapin est en préparation, bref. Et du coup, voilà, je voulais vous dire que les produits sont vraiment pas mal du tout. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir les tester ou d'avoir des échantillons avant de l'acheter, bah franchement, et en plus, vous avez 300 ml quoi. Franchement, si vous cherchez un cadeau de Noël, et vous n'avez pas forcément les moyens de mettre 200€ dans un sèche-cheveux, et encore même moi, je ne mettrai pas 200€ dans un sèche-cheveux. Bah celui-ci, je vous le mettrai en barre d'infos si vous intéresse, je vais essayer de vous trouver le lien. Mais il est vraiment très bien, ils le font en rose, il me semble, je vous avais déjà dit. Là, j'attends Cyril pour aller chez Boulanger chercher mon Dyson, ensuite je rentre, je mange, et je vais m'attaquer, je ne sais pas si je fais la vidéo de Noël
de la collection Mac avant mon sapin ou après, je ne sais pas. Là, je vais en profiter pour faire quelques photos Instagram parce que je suis à la bourre et je n'ai plus de stock. Alors, je me suis acheté des petites fleurs, donc de l'eucalyptus avec des roses blanches. J'adore les roses blanches, je trouve ça super joli. J'ai pris du pain, j'ai pris des pains au chocolat et j'ai mon Dyson, les enfants. Alléluia! Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même 30 minutes d'autonomie, donc ce qui n'est pas négligeable. Et je vous en reparlerai. Je ne sais pas si je vais vous en parler dans cette vidéo, mais je déballe ça et je vous montre tout ça. Il y a plusieurs brosses, donc ça c'est top. Vous avez une brosse, vous avez une petite pour le canapé et autres. Alors ça c'est génial. Et après vous avez la brosse classique juste ici. Donc là je vais aller le mettre en charge parce que j'aimerais bien l'utiliser quand même aujourd'hui idéalement. Sachant qu'il y a au moins 3 à 3h30 de charge avant l'utilisation. Et il y a également pour l'accrocher au mur. Donc ça je verrai plus tard, hein. C'est pas ma priorité. Mais déjà mon but là c'est de le charger. Et voici mon beau bouquet de fleurs, j'adore. C'est trop beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi j'adore ces fleurs. Franchement c'est simple, c'est épuré, c'est très très beau. Bon je pense qu'il faut que je leur travaille encore un petit peu, mais on adore. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow. Bon, je viens de sortir le sapin du carton, donc c'est le top. Il a l'air très bien touffu, tout ce que je veux, c'est top. Mais alors, je me rappelais pas de ces sapins en fait. Vous savez, les accroches qu'il faut mettre par lettre, par chiffre, par truc. Waouh, moi je pensais que ça allait être un truc plus simple. Eh ben non, les gars. Eh ben non, moi je dis que ça va être la merdasse. Donc vous voyez, en gros, ça fait des trucs comme ça. Voilà. Vous clipsez avec la couleur et tout. Bon, en même temps, au moins, vous êtes sûr que le sapin soit beau. Mais là, là, il y a la petite étiquette du sapin. Mais en tout cas, il a l'air très beau. Vous voyez, il y a plusieurs textures dans le sapin. Vous avez vraiment du réaliste. Vous avez du un peu plus plastique. Vous avez même des petits bouts et des petites pommes de pin. Donc, je le monte. Je me prends la tête. Je me suicide 4 fois. Et on se retrouve dans 8 heures. D'accord? A tout de suite. Bon, est-ce que vous pensez qu'il faut que je leur laisse le carton ou pas? Il y a déjà brume dans le carton et là, hop là, voilà. Allez, salut, bonne route, bon voyage, au revoir. Bon, je viens de faire 3 étages, il est hyper grand. Et j'ai pris 1m80, j'aurais dû prendre 1m50 en fait. Parce que là c'est que le bas et ça me prend énormément de place. En tout cas ils respectent vraiment quand ils disent très touffu. Il est vraiment très touffu. On voit même pas le tronc pour vous dire. Et voici mon bébé. Il est trop beau. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très très beau. Les pieds, on ne les verra même pas parce qu'il y a mon cache-pied. Il faut encore que je comble quelques petits trous, quelques petits manques. Mais franchement, je suis agréablement surpris. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos du sapin. Là, je vais le coller contre le mur pour pouvoir vraiment accorder et décorer. Je vais mettre ma guirlande électrique et tout ça, le pied. Puis après, on va pouvoir décorer tranquillement. Je pense que le plus beau côté, je me suis vraiment concentré sur là. Bon, les amis, je viens de tout sortir. Donc, en fait, j'ai énormément de déco. Et voilà. Heureusement, j'en ai quasiment pas racheté. J'ai racheté que des petites boules et tout parce que j'en ai trop, en fait. Là, j'ai retrouvé tout ce sac-là rempli de déco en bois, blanc, neige. Et c'est de la déco où j'y tiens vraiment, donc c'est parfait. J'avais racheté ça, je pense que je le mettrais quand même. Là, j'ai énormément de boules parce que d'habitude, je prends des sapins de 2m10, voire 2m30. Là, j'ai pris que 1m80. Donc, moi, ça me va, hein. Je voulais pas un grand cette année. Mais du coup, bah, il va falloir faire un choix, quoi.
Bon, eh bien, c'est le drame. J'ai énormément de déco. Donc c'est pas grave, ça va me permettre de faire un tri de ce que je vais mettre et ce que je ne vais pas mettre. Mais et j'en ai encore dans les sacs là. Ah bah on n'a pas la même taille cette année les gars. Hein. Bon bah on se retrouve, hein. On verra bien ce que ça va donner. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing in bushels of fun. Now the jingle hop has... Bon, eh bien le sapin commence à voir la fin. Il reste encore quelques petites décos à mettre. On s'approche, on s'approche, on s'approche. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je termine et je vous montre la fin. Donc écoutez, sur ce, on va clôturer ce vlog maintenant parce que je suis littéralement fatigué et j'ai encore les montages des vlogs à vous faire et à ranger. Je vous montrerai le Dyson dans un autre vlog de toute façon. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à mon compte YouTube Maxime Makeup. Tout est ici avec mon Instagram et mon Snapouille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'ai un peu de retard dans les commentaires, veuillez m'en excuser. Mais quand je vais répondre à tout, je répondrai vraiment à tout le monde, je vous le promets comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort, merci d'avoir regardé ce vlog. Et on termine en petite vidéo sympa avec ce petit sapin. Des bisous.